Bonjour, ici Christine Levicky. Je voudrais aujourd'hui vous parler du séminaire Réveiller l'entrepreneur qui est en vous, qui aura lieu à Paris le 23 juin 2011. Plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions, sont venus à moi pour en savoir un peu plus. Alors voilà, je vous fais cette vidéo. Alors cette journée, le 23 juin, elle est pour vous. Si vous avez décidé de montrer votre propre entreprise pour donner plus de sens à votre carrière. Si vous avez décidé de vous mettre à votre compte pour avoir plus de flexibilité, pour améliorer votre qualité de vie, si vous avez profondément envie avec votre entreprise de contribuer à la société et de vraiment offrir un service ou des produits qui répondent à un besoin pour vos clients. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai pu rencontrer beaucoup d'entrepreneurs qui ont vraiment voulu monter leur boîte pour donner plus de sens à leur carrière. Mais par contre, à un moment donné, ils se sont retrouvés un petit peu coincés et dans une zone d'inconfort parce qu'ils avaient du mal à prendre pleinement possession de cette identité d'entrepreneur. Et finalement, tout d'un coup, ils peuvent avoir un très bon produit ou une très bonne expertise, mais tout d'un coup, à un moment donné, ils se disent « mince, maintenant, il faut que j'aille vendre, maintenant, il faut que j'aille décrocher des marchés, maintenant, il faut que je me présente sur le marché et que j'aille parler de mon métier, parler de mon offre à mes potentiels clients. » Et là, souvent, ça coince parce que quand on se met dans la peau du vendeur, dans la peau du marketeur, et ben, on a l'impression de perdre du sens, on a l'impression de perdre notre identité et on a du mal à vivre nos valeurs. Personnellement, moi ce que je voudrais c'est partager avec vous pendant cette journée tous les outils que j'ai moi-même mis en œuvre pour développer mon activité de coaching. Ce sont aussi des outils que j'ai transmis à mes clients depuis maintenant plusieurs mois et je vois leurs résultats au quotidien, je vois leur chiffre d'affaires se développer et surtout je les vois profondément ancrés dans leur expertise et ayant maintenant cette capacité de s'affirmer, de se présenter, d'être beaucoup plus visible. Donc voilà, ça c'est le thème global de la journée. Ensuite, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça va être une journée qui va être ponctuée d'interventions, donc un peu en mode conférence avec des entrepreneurs. Donc dans les interventions, il va y avoir une présentation où je vais vous présenter mon modèle CLEAR. Et surtout, je vais vous présenter un sujet sur le thème de comment redonner une âme à votre entreprise et comment retomber amoureux de votre business. Donc ça va être le thème de ma présentation du matin. Ensuite, Olivier Demague, qui il s'avère est mon petit frère, et donc c'est aussi un serial entrepreneur. Et Olivier Demague va venir nous parler, un petit peu casser toutes les idées préconçues sur le business, et va venir nous parler finalement comment une très petite entreprise peut aller décrocher des gros marchés. Aujourd'hui, quand je travaille avec mes clients, notamment les participants de mon groupe Mastermind, ce que je constate, c'est que beaucoup d'entre eux me disent ben, « finalement, ce qu'il me faudrait, c'est le contrat chez Accor ou il faudrait que je puisse oser contacter le contact que j'ai à la BNP ou dans une grande banque ou dans une très grosse société. Mais je ne peux pas le faire aujourd'hui parce que je suis trop petit, c'est pas possible. » Et en fait, on se retrouve un petit peu avec le chien qui se mord la queue. Il faudrait le gros contrat pour être plus grand, mais pour être plus grand, il faut avoir le gros contrat. Et donc aujourd'hui, Olivier va venir nous parler de comment une très petite entreprise peut finalement avoir de très grands atouts pour aller décrocher un grand marché. Et donc finalement, il va nous montrer quels sont ses atouts, il va nous parler de son expérience à lui et de ce qu'il a pu voir sur le monde de l'entrepreneuriat. Et je sais déjà que ça va profondément vous inspirer à voir beaucoup plus grand pour votre activité. Donc ça, ce sont les conférences du matin. Ensuite, on va se rencontrer, on va manger, on va boire un café. Il va y avoir tous ces moments de convivialité avec du réseautage de grande qualité. Donc rien que pour ça, je vous conseille vraiment de venir. On attend entre 50 et 80 personnes pour cette journée. Ensuite, l'après-midi, on va vraiment passer en mode atelier. Et donc là, on va vraiment regarder beaucoup plus profondément, notamment le sujet de comment convertir un prospect en client. Parce qu'à un moment donné, quand on a une plus grande expertise, eh ben, on arrive à faire du buzz, on arrive à être beaucoup plus visible. Et donc, on a beaucoup de gens qui sont intéressés. Simplement, un client devient un client qu'une fois que vous avez sa carte bleue et que vous commencez à travailler et à le servir. Donc, comment franchir ce dernier gap qui est très, très important, qui est crucial pour votre business et qui est souvent le gap où il y a le plus de malaise pour vous. Comment passer du prospect au client? Et ensuite, dans la deuxième partie de l'après-midi, on va aussi aborder le sujet de comment convertir vos clients en ambassadeurs. Une fois que vous avez vos clients, comment les garder et comment faire en sorte qu'eux-mêmes vous amènent plus de clients. Une autre chose que j'avais envie de vous apporter qui me tient profondément à cœur, et ça je pense que ça va être un grand moment de l'après-midi, c'est que je vais vous amener, je pense que ce sera en début d'après-midi, un panel d'entrepreneurs. Un panel d'entrepreneurs qui va se présenter devant vous et qui va répondre à la question cruciale. Si vous aviez su, il y a 2 ans, ce que vous savez maintenant,
ou il y a 6 mois ce que vous savez maintenant en termes de business, qu'est-ce que vous auriez fait autrement? Et donc là, vraiment pour vous, dans l'audience, l'idée, c'est de pouvoir apprendre de toutes ces personnes-là et de vous ne pas attendre, quoi. Tirer les leçons de ce qu'eux vous disent et vous disent « si j'avais su à l'époque que faire cette chose-là pouvait avoir un tel impact pour mon business, je l'aurais fait plus tôt ». Donc là, vous aurez les perles, vous aurez les pépites dès maintenant. Le feedback qu'on a eu de la journée du 16 décembre, qu'on a déjà organisée l'année dernière à Paris, est vraiment que les participants ont vraiment ressenti, ils avaient reçu un nouveau souffle pour leur business. Beaucoup de grands projets sont nés suite à l'inspiration et suite aux informations qui ont été partagées cette journée au mois de décembre. Et donc aujourd'hui, je me réjouis profondément de renouveler cette expérience, de vous retrouver et de vraiment créer un peu cette communauté, cette famille d'entrepreneurs où nous tous, ensemble, nous avons envie de vraiment mettre nos entreprises, nos business au service de la société et nous avons envie profondément de vivre nos valeurs dans notre entreprise. Donc voilà, je souhaite vraiment que ça va vous parler et que vous allez vous inscrire et qu'on va tous se retrouver. Au revoir!